Good morgen, Aleiden et tu seras aujourd'hui Leilu Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak Vefani, Lorléa bat Beila et Deborah bat Eliaou ve Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Mishnah Kotot 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui Masechet Yevamot Perek Aleph Mishnah Bet. Keitzad potot tzarotehen, Aita bito o achat mikol arayot ha'elu nesua le'achiv, velo isha acheret vamet, keshem shebito ptura, kach tzarata ptura. הלכה צרת ביתו ונישאת לאחיו השני, ולא אישה אחרת, ומת, כשם שצרת ביתו פתורה, כך צרתה פתורה, ואפילו אין מאה. כיצד אם מתו צרותיהן מותרות, הייתה ביתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו, ולא אישה אחרת מתה ביתו, או נתגרשה, ואחר כך מת אחיו, צרתה מותרת. וכל היכולה למען ולא מענה, צרתה חולצת ולא Bon, d'abord avec toutes mes excuses pour la première Mishnah du Perek, c'est pas moi qui rédigeais les Mishnayot, d'abord il faut le savoir, elle était vraiment très dure. C'est pas qu'elle était dure, c'est qu'elle était blindée de connaissances, de choses qu'il fallait, que la Mishnah elle est venue, elle nous a posé. En fait, je vous avais dit pendant qu'on faisait la Mishnah que la Mishnah elle va poser de manière, elle va poser les généralités, et après dans plusieurs Mishnayot qui vont suivre, on va expliquer un peu plus en détail. Donc en fait, si vous avez rien compris, c'est pas grave, parce que vous allez maintenant, Bezrat Hashem, tout comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. On va se familiariser avec les notions. D'accord? Dans la première Mishnah, il a fallu d'abord définir c'était quoi les 15 femmes qui peuvent des incestes, qui peuvent être mariées aux frères. On n'a même pas expliqué c'est quoi une tzara, du hiboum qui vont. La Mishnah nous prend, nous projette directement dans le vif de l'action. Là, maintenant, on va reprendre doucement, doucement. En fait, dans cette Mishnah, il y aura encore quelques autres Mishnayot qui vont mettre le zoom sur quelques détails pour mieux les assimiler. C'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord tout vous expliquer à l'oral. C'est très simple, d'accord? Le principe de c'est quoi une tzara, d'abord juste pour se familiariser d'abord avec les notions. D'abord, peut-être qu'il faut introduire des choses plus élémentaires. Vous savez que selon la Torah, la polygamie est permise. On a le droit d'avoir plusieurs femmes. Une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris, bien évidemment, mais un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Premièrement, ça, notion de base. À part ça, deuxièmement, quelque chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est un exemple qu'on va rapporter fréquemment, quoi. Un homme a le droit de se marier avec sa nièce, la fille de son frère ou la fille de sa soeur, ça vient même, les deux sont permis. A l'inverse, non. Ouais, un enfant n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Ça, c'est une inceste. Mais dans l'autre sens, quand c'est un homme qui veut se marier avec sa nièce, c'est permis. C'est-à-dire, mon frère, il a une fille, j'ai le droit de me marier avec elle. C'est même mieux que ça. Alors, maintenant, la Torah, il parle que c'est même une misva de le faire de la sorte. Même la Gemara, elle vante dans Yevamot plus tard. C'est un bon mariage en général, surtout quand c'est avec la fille de la soeur, surtout. Il y a beaucoup de shalom entre eux. Et bon, ça c'est une généralité. Deux points avant de commencer. Ensuite, maintenant on va prendre un cas particulier de trois frères. Ça va nous aider pour comprendre la suite. Trois frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Ok? Ouais. Lévi, vous savez que Lévi, il avait une fille qui s'appelait Yocheved. Vous avez déjà entendu parler d'elle? Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, c'est la fille de Lévi. Yocheved bat Lévi. Donc ça là, on la met de côté, c'est la fille de lui. À part ça, Réhouven et Shimon, chacun il est marié avec deux femmes. Réhouven, il est marié avec, on va dire, Rachel et Léa. Et Shimon, il est marié avec Bila et Zilpa. D'accord? Facile? Vous avez compris la famille pour le moment? Donc on a trois frères. Deux frères que chacun il a deux femmes. Et Lévi qui a une fille qui s'appelle Yocheved. C'est clair? Le principe de la Mishnah, il est de nous dire comme ça. Si la fille de Lévi, elle s'est mariée avec son oncle, donc avec Réhouven. Maintenant, Réhouven, il a donc trois femmes. Il a Rachel et Léa, et en plus, il a même Yocheved. Lorsque Réhouven meurt, il avait trois femmes, mais le pauvre, il a eu zéro enfant, malgré les trois femmes. D'accord? Donc, quand il décède, en théorie, ses frères, un de ses frères, doit prendre une de ses femmes pour se marier et avoir avec lui, avec elle, des enfants. Là, maintenant, se pose un premier problème. C'est que parmi les trois femmes de Réhouven, Lévi, il va se retrouver avec sa fille, qui va peut-être se marier avec sa fille, c'est pas possible. Le hiboum, ça veut dire tu prends, il prend la fille, il prend la femme de son frère, mais il peut pas prendre une autre qui est inceste pour lui. Vous avez compris la problématique? Donc en fait, en deux mots, dans la Mishnah, ça se dit que il y a la Erva, Erva c'est l'inceste, la tsarat erva asura. La erva, elle est au seret les tsarot. Les tsarot, ça veut dire des femmes qui sont. Un homme qui a plusieurs femmes, alors toutes ces femmes entre elles, elles s'appellent
des tsarot. En traduction littérale, ça veut dire que c'est des malheurs, une c'est le malheur de l'autre, c'est normal, elles se disputent constamment, chacun se dispute, c'est mon mari, c'est ton mari. Vous imaginez l'ambiance, comment ça se dirige une maison pareille, quoi, avec quatre femmes, même si elles ne vivent pas dans la même maison, elles vivent dans chacune dans une maison à part, mais quand même, il y a beaucoup de tsarot, elles sont comment dire, en rixe constante. C'est des tsarot. Donc en fait, je reviens maintenant sur mon cas. On a Reuven Shimon Lévi, Reuven il avait Rachel et Léa, et Yocheved, c'était sa troisième femme. Maintenant, Reuven décède sans enfant. Donc il y a maintenant ces deux frères qui sont là, Shimon et Lévi. Lévi, il dit, bon, ben moi, je peux pas prendre ma fille, je peux pas faire le hiboum avec ma fille, parce que même si j'ai le droit de me marier avec la femme de mon frère, pour faire le hiboum, je peux pas marier avec ma fille. Et ben le premier chidouche de la Mishnah d'abord, c'est de me dire que. Eh bien, puisqu'il y a une des femmes de la maison de Réhouven que Lévi ne peut pas prendre, toutes les femmes, elles vont être interdites. En la chaîne de Mishnah, donc ça se dit que la erva oseret tsarata. Elle est poteret tsarata. Regardez les trois premiers mots de la Mishnah. Keitzad poteret tsaroten. Comment toutes les cas d'inceste, elles dispensent de hiboum leur tsarot. Leur femme, comment. J'ai pas de mot exact pour dire, mais en tout cas, leur tsarot, on va accepter le concept. Comment toutes ces incestes-là vont rendre interdire vont interdire de hiboum ces incestes-là, ces tsarot? Alors justement, la Mishnah va commencer à me raconter le cas qu'on a évoqué. Mais avant qu'on rentre dans la Mishnah, je préfère maintenant prendre l'histoire et la continuer. Bon, on se retrouve que maintenant, Lévi, il n'avait pas le droit de se marier ni avec, bien évidemment, Yocheved, sa fille, mais ni même avec Rachel et Léa, il ne pouvait pas se marier avec elles parce que c'était des tsarot erva. Mais par contre, Shimon, lui, pouvait faire le hiboum. Imaginez maintenant que Shimon, il a fait le hiboum, mais pas avec Yocheved. Il a fait le hiboum avec Rachel. Donc Shimon, il a maintenant trois femmes. Il a Bila et Zilpa. Et en plus de ça, il a Rachel, qui était la femme de Réhouven. Après, Shimon, Misken, lui aussi, il décède sans enfant, le pauvre. Maintenant, il a Lévi, c'est le troisième frère maintenant qui est là. Il se retrouve avec trois femmes qui sont devant lui, les femmes de Shimon. Il n'y a pas d'inceste a priori. Parce que là, sa fille, elle n'est plus mariée avec Shimon. Et bien malgré tout, elle est interdite. Parce que maintenant, il faut bien comprendre, à partir du moment où Réhouven, il est décédé, sans que sa femme puisse être permise à Lévi, parce que, comme on a dit, Rachel et Léa ne pouvaient pas être permises à cause de Yocheved, eh bien Rachel et Léa, elles vont devenir des. Vous savez que la sœur du frère, la femme du frère. C'est aussi une inceste. La Torah t'a dit, s'il y a la mitzvah de hiboum, tu lèves l'interdit du hiboum, t'as le droit de te marier avec elle. Mais s'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, s'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de son frère. Or, par rapport à Lévi, les trois femmes de Réhouven sont des incestes, puisqu'elles n'ont pas eu la mitzvah de hiboum. C'est-à-dire que Rachel et Léa, elles n'ont pas eu de mitzvah de hiboum. C'est devenu des shet achiv, shelo bimkom mitzvah, les femmes de son frère, alors qu'il n'y avait pas de mitzvah. Et donc, Rachel et Léa, ça sort qu'elles vont devenir des incestes. Si elles sont incestes, pour lui, c'est la femme de son frère, alors qu'il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Shimon, lui, se marie avec ensuite Léa, par exemple, ou Rachel. Et ensuite, lorsque Shimon décède, il n'avait pas d'enfant. Il s'avère que maintenant, parmi les trois femmes qu'il y a, il y en a une qui est une inceste, c'est Rachel, qui a été contaminée par Yocheved, d'accord? Mais maintenant, elle est devenue inceste pour lui, il a pas besoin avec elle, et puisqu'elle est inceste, elle va interdire de nouveau les deux autres, même Bila et Zilpa. Et donc les femmes, elles vont être plutôt rot minaï chalitza ou minaï iboum. Il n'y a plus de ni de misa de iboum, ni de misa de chalitza. Ça, c'est la première moitié de la Mishnah. Mais je ne vais pas vous la faire tout de suite dans les mots, parce que j'ai envie déjà, si déjà vous avez bien accroché, on continue directement la suite de la Mishnah. Avec maintenant, si toutefois, lorsque, on revient maintenant en arrière, quand les trois étaient vivants, il y avait Réhouven, il était marié, donc avec Rachel et Léa et Yocheved. Et ensuite, ça s'est mal passé avec Yocheved. Il a divorcé, il lui a donné le guet. Il l'a renvoyé. Lorsque Réhouven décède, eh bien maintenant, il s'avère qu'au moment où il est décédé, il va faire la mitzvah de Yiboum, Lévi se retrouve avec deux femmes qu'il a le droit de se marier avec elles. Le fait qu'elles se sont rencontrées à une époque auparavant avec sa fille, dans la même maison qu'à l'époque où Réhouven était marié avec Yocheved et Rachel et Léa, le fait qu'elles étaient ensemble dans une même maison, ça n'a pas communiqué, ça n'a pas contaminé, ça n'a pas communiqué l'interdit aux autres. Tant que Réhouven est encore vivant, eh ben, il n'y a pas eu de mitzvah de hiboum, donc il n'y a pas pour le moment l'interdit
n'a pas communiqué son interdit aux autres. Donc si ensuite il la divorce, ou bien Ruchevet décède, même principe, elle va décéder, eh bien il s'avère que maintenant ensuite, quand Reuven va mourir, il a deux femmes qui sont aptes à être mariées avec Lévi. Lévi va pouvoir en prendre une aussi. D'accord? Là on a fait vraiment 80% de Mishnah. Allez, la dernière partie, on la laisse pour après. D'abord, on commence à traduire. Keitzat potrot tsarotehen. Comment les vont-elles dispenser de mitzvah de Iboum les tsarot? Comment les incestes vont dispenser les autres femmes, les femmes qui sont tsarot? Haïta Bito, s'il y avait sa fille, donc la fille de Lévi, Yochevet, ou Achat Mikola Arayot Alo, ou une des autres, imaginez, ce n'était pas la fille de Lévi, c'était la sœur de sa femme de Lévi. Lévi est marié à une femme. Que sa sœur, c'était celle-là. D'accord? Tous les cas qu'on évoquait, les 15 femmes en l'occurrence. Donc, il y avait sa fille, ou toute autre inceste, Nesu'a l'Arif, qui était mariée à son frère. Donc, en deux mots, Yocheved marié à son frère Reuven. Velo Isha Acheret. Et Reuven, il avait une autre femme, en plus. Il avait Rachel. Et même Rachel et Léa, j'ai rajouté. Vamet, il est décédé. Reuven, il est parti. Alors quoi? Keshem Shebito Ptura, autant que sa fille, elle est dispensée du hiboum, parce qu'il ne peut pas se marier avec sa fille. Eh bien, Kar Tsarata Ptura. Idem, sa Tsara, la Rachel et Léa, qui étaient elles aussi mariées avec Reuven, vont être aussi dispensées du hiboum, par rapport à Lévi. Maintenant, deuxième cas de figure. Alcha Tsarat Bito, suite de l'histoire. Alcha Tsarat Bito, elle est partie à la Tsara de sa fille, en l'occurrence, Rachel, qui était aussi la tsara de Yocheved, c'est elle qui est partie se marier avec Shimon. Veniset l'achiv hacheni, elle s'est mariée avec le deuxième frère, avec Shimon. Velo isha acheret, et Shimon il avait une deuxième femme, il avait Bila, Zilpa, Vamet, ensuite Shimon il est mort, lui aussi sans enfant. Eh bien la Mishnah elle va me dire, Keshem she tsara de Bitoptura, autant que la tsara de sa fille, en l'occurrence Rachel, elle est dispensée de mitzvah de Iboum, car tsarat tsarata ptura, idem aussi pour la tsara de la tsara, ouais. Elle va être aussi dispensée du hiboum. Afilo en Mea, maintenant, même si elles étaient 100, même si ça continue, après Bila, qui est parti se marier, ensuite quand il est décédé, c'est Bila qui est parti se marier avec Yehuda. Et Yehuda, il avait une deuxième femme qui s'appelait Tamar. Et après Yehuda, il est décédé, et ben, ça va communiquer l'interdit ensuite, et ainsi de suite, si ça continue encore avec d'autres femmes. D'accord? Afilo en Mea, même si on a 100. Ensuite, deuxième cas. Ça, c'était la première partie, je vous ai dit, la Mishnah. Deuxième cas maintenant, c'est Keitzad im metu tsaroten mutarot. Comment se présente le cas maintenant où je t'ai dit que si elles sont mortes, toutes les incestes qui étaient mariées, elles sont mortes avant que le frère décède sans enfant. En l'occurrence, Yocheved, Yocheved, elle décède, les frères, les autres tsarot de Yocheved, Rachel, elles vont pouvoir faire le hiboum. Comment se présente le cas? Elles ont permis. C'est simple. Haïta Abito, si il y avait sa fille, en l'occurrence Yocheved, ou Achat Mikola Arayot Elo, ou n'importe quel autre cas dans ce qu'on a évoqué, comme je dis, la femme, la sœur de la femme. Nesua l'Achiv, elle était mariée à son frère, donc Yocheved est mariée à Reuven. Velo Isha Acheret, et Reuven, il a une deuxième femme, Rachel. Metabito, sa fille, elle est décédée, c'est-à-dire Yocheved, elle est décédée, dans du vivant de Reuven. O Nidgarja, ou bien Reuven, il lui a donné le guet, il a divorcé. Vachar Kach Metachiv, et après seulement, il est décédé, Reuven. Sans enfant. Donc il ne reste plus qu'une seule femme, qui n'est plus une tsarat erva, c'est plus une voisine, une tsara de la erva, puisque la erva, l'inceste, elle a déjà quitté la maison, elle n'est plus là, ou le monde. Eh bien, tsarata muteret. Ok? Cette tsara, elle va devenir permise. Je vous ai dit, 80% maintenant. Après, il reste une petite phrase. Et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. On va introduire le sujet, mais très rapidement. Parce qu'on en reparlera longuement, beaucoup plus tard. On parlera très longuement de c'est quoi le mi'oun. Vekola yechola lema'en velo me'ana, tsarata choletzet velo mitia bevet. À part ça, la Mishnah mentionne que toute femme qui pouvait refuser et n'a pas refusé, eh bien, sa tsara, elle devra nécessairement faire la chalitza et pas le hiboum. Bon, de quoi on parle? C'est très simple. En deux mots, très rapidement. Dans la halakha, une fille qui n'est pas encore âgée de 12 ans, le père, il a le droit de la marier à qui le veut. Il va la marier minatora. Mais si le père, il n'est pas là, par exemple, il est mort, alors il n'y a plus personne qui peut marier sa fille. On ne va pas dire que la mère, elle va pouvoir la marier, ou que les grands frères, ils vont pouvoir la marier.
Selon la Torah, elle ne pourra se marier qu'elle-même lorsqu'elle atteindra sa majorité, qu'elle sera assez réfléchie pour pouvoir, assez consciente, attendre 12 ans pour pouvoir se marier. D'accord? Premièrement. Malgré tout, Chachamim ont décrété on peut créer un mariage midérabanan, que la mère et les frères, qui sont responsables d'éduquer la sœur, pourront, s'ils le veulent, marier cette fille-là à quelqu'un. Maintenant, c'est que le chinois, ils ne marcheront pas Minatora, parce que Minatora, c'est qu'elle qui décide de son sort. S'il n'y a plus le père, qui est pas le propriétaire, mais qui est le grand tuteur pour décider de ça, s'il n'y a plus de père, plus personne ne pourra décider à sa place. Malgré tout, Chachamim ont décidé que la mère et les frères peuvent décider ensemble de marier la sœur. C'est pour protéger les enfants, entre parenthèses, parce que c'est fréquent dans les Yevamot, on découvre que c'était quelque chose de très fréquent, en fait, d'abuser des enfants qui n'étaient pas protégés. Imaginez une petite veuve, une petite orpheline qui avait un truc, très facilement, les gens pouvaient abuser d'elle. L'Agmara va en parler même aussi des folles ou des trucs comme ça, que très facilement, il y avait malheureusement, ça a toujours existé des gens malsains qui traînaient dans les rues. Il faut faire très attention. Eh bien, la Mishnah, alors, même principe aussi, Chachamim ont instauré que maintenant, on préfère que cette jeune fille, au lieu qu'elle soit entre les mains de la mère, elle est déjà occupée avec ses soucis, et les frères qui sont chacun dans son truc, on préfère, s'ils ont l'occasion de la marier à quelqu'un, que quelqu'un maintenant, une fois qu'elle va se marier, elle va vivre dans sa maison, plus personne ne va vouloir l'approcher, parce que c'est la femme de Plony, d'un tel, donc on ne va plus l'approcher, Chachamim ont décrété qu'elle pourra se marier. Malgré tout, si elle veut maintenant, cette fille-là, en grandissant, à n'importe quel moment, et à plus forte raison lorsqu'elle atteint la majorité, bidou quand on atteint la majorité, si elle veut, elle peut refuser les kiddushin. Elle peut dire, bon, vous m'avez marié, mais finalement, ce mari-là, il ne m'intéresse pas, il n'est pas agréable, il est amer, il est ce que vous voulez. Elle refuse, elle fait le mi-oun. Il y a des halakhot, comme on précise, comment refuser, parce que dans le bet-din ou pas dans le bet-din. Il y a tout un perek Bet Shammai, qui va nous parler de ça. D'accord? Comment exactement faire le mi-oun? Alors maintenant, on revient maintenant dans le cas. Imaginez que Lévi. Bon, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Imaginez en fait que Lévi, Yocheved, ce n'était pas sa fille, c'était sa belle-sœur. Lévi, il est lui-même marié à une femme, qui est la sœur de Yocheved. Yocheved, c'est sa belle-sœur, qui est une petite fille orpheline, qui était mariée Midérabanan à Réhouven. C'est le principe de la Mishnah, en fait. D'accord? Ça veut dire que maintenant, Lévi, en fait, quand Réhouven va décéder, Lévi va se retrouver avec la femme de Réhouven, et aussi une inceste, une proche parente de lui, avec qui il ne peut pas se marier, mais que Midérabanan. Ça veut dire que selon la Torah, il n'y a que la Rachel qui est la vraie femme, et donc elle est Zkouka Leiboum, il doit faire le Iboum avec elle. Midérabanan, Chachamim ont instauré que, malgré tout, Yocheved, c'est aussi la femme de Réhouven, Midérabanan. Donc de ce fait, quand Réhouven va décéder, Lévi ne pourra plus faire, bien évidemment, le Iboum à sa petite belle-sœur. Parce que c'est sa femme, même si Midérabanan, c'est la sœur de sa femme, elle lui interdite. Mais le Chidouche, maintenant, la Mishnah va me dire que ben, même Réhouven, qui est la vraie femme, même Rachel, qui est la vraie femme de Réhouven, Lévi ne pourra plus lui faire le hiboum, mais il devra quand même lui faire un achalitza. Vous avez compris le principe? C'est ce que la Mishnah me dit. Et toute femme, toute petite fille, en fait, qui avait la possibilité, le droit de refuser de faire le mioun, velo miana, mais elle n'a pas refusé le mariage, donc elle est restée mariée jusqu'à ce que Réhouven décède, eh bien, tsarata, la tsara, donc Rachel, choletzet velo mityabemet. Elle devra nécessairement faire la khalitsa, mais on ne va pas lui permettre de faire le hiboum. Pourquoi? Parce que, étant donné que Midérabanan, elle est mariée, alors on va considérer Rachel comme si c'était sa femme. Donc c'est une tsarat erva, comme on a expliqué. Mais malgré tout, puisque c'est que Midérabanan, et ce n'est pas vrai du point de vue de la Torah, donc Rachel, il va falloir la libérer en lui faisant la khalitsa. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.